Le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires ayant une arme de meilleure qualité que vous. Donc moi, pour réaliser ce défi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre dans les camps de Stormtrooper. Donc le camp le plus facilement retrouvable, mais vous avez la possibilité aussi d'aller dans d'autres camps de Stormtrooper. Et pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Donc si je vous conseille en fait de vous rendre à des emplacements de Stormtrooper, c'est parce que les Stormtroopers, en fait, ils ont le fusil blaster E11, qui est une arme mythique. Et comme c'est des adversaires, si vous les éliminez avec une arme de moins bonne rareté, bah logiquement, ça devrait valider le défi. Donc regardez, là, je vais prendre une arme de rareté grise, donc c'est la plus petite rareté, et je vais aller les éliminer. Après, vous pouvez les éliminer avec des armes rares, atypiques, épiques, même légendaires, ça fonctionnera, parce que eux, ils ont une arme mythique. Et mythique, c'est vraiment l'arme la plus haute de toutes les armes, quoi. La rareté la plus haute. Donc logiquement, si vous éliminez ces Stormtroopers avec n'importe quelle arme, là, logiquement, ça devrait valider votre défi. Donc là, j'en ai éliminé un. Ensuite, j'élimine le deuxième. Et là, ça validera pour deux éliminations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez devoir éliminer 6 adversaires avec des armes de moins bonne qualité que vos adversaires. Donc bien évidemment, ça fonctionne aussi contre les vrais joueurs. Hein. Mais ce que je vous conseille, c'est d'utiliser justement une arme de rareté grise et d'essayer de tuer des adversaires. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez 9 chances sur 10 d'avoir une moins bonne arme que votre adversaire. Donc voilà, dès que vous aurez réussi à éliminer 10 adversaires avec une arme de moins bonne qualité, bah là, vous débloquerez des récompenses. Code créé.